Et bonjour à tous, c'est Akoris et on se retrouve sur Docteur Caresse avec notre dernière journée aux urgences. A-t-on réussi à sauver Maggie? Je pense que oui, hein, mais on va voir ça. Renvoyer. Ah bah oui, par contre, il y a ce souci-là. Hein, c'est qu'on l'a sauvée, mais je crois qu'elle est tirée d'affaire. Son état semble stable, ses constantes sont bonnes. J'espère vraiment qu'elle va reprendre du poids de la bête. Tu es une chienne très courageuse, Maggie. Elle va bientôt se réveiller, on en saura plus à ce moment-là. Je vais appeler le commissariat pour donner des nouvelles à la gendarmerie. Mais qu'avez-vous fait, tous les deux? On a trouvé et retiré le fragment de balle. C'était la seule et unique chose à faire. Vous avez délibérément ignoré sur un ordre de votre supérieur. Vous allez avoir de gros ennuis, vous m'entendez? Ami agit selon mes directives. Je suis responsable. Dans ce cas, tu es viré. Tu m'as bien compris, Jack? Oui, je vous entends parfaitement. Vous hurlez à 2 cm de mon oreille. Vous deviez vous conformer à mes ordres. Non, on devait sauver cette chienne. Nous en reparlerons à la fin de la journée. Voilà, voilà. J'ai même pas envie d'améliorer ça. Je vais garder les sous pour le niveau suivant. Nettoyer après l'opération. Il y a des trucs à nettoyer. Ah, mais il y a des gants, des machins, des trucs qui traînent par terre. Mais c'est quoi ces médecins? Tac, tac. C'est quoi ces médecins qui laissent traîner des trucs partout, quoi? Je suis en train de chercher où c'est qu'il y a d'autres trucs. Il m'en manque encore deux. 1, 2, 3. Je vois pas les autres. Je vois pas les autres trucs. La souris, elle est là. Scalpel. Tac. Je cherche les autres trucs en fait. Il y a des trucs qui traînent à droite. Ah là. Qui c'est qui avait foutu un masque là-haut? Bon, il manque un truc à trouver et jusqu'à la fin, ça devrait aller. 1, 2, 3, tac, tac. Ça, tu nettoies. Tac, tac. Là, tu nettoies ça. En plus, je méfie parce que ça peut être derrière les clients, ça peut être un peu partout, donc... oui, on encaisse. Allez, go. Tac. Ah, il n'y a plus de médicaments, là. 1, 2, 3. Tac. Tac, tac, tac. On encaisse cela, on va faire la radio. Je n'arrive pas à trouver ce qui manque. Il est caché où, ce truc? 1, 2, 3. Tac, tac. Je fais un peu le tour. À tous les coups, c'est sur un meuble ou quelque chose comme ça. 1, 2, 3. Ah, là. Trouvé. Par contre, on est loin pour les étoiles. Vous voyez, là, je suis aux 3/4 de la journée et j'ai pas encore validé une étoile. Quand la dernière fois, on m'a demandé de valider... dans la demi-journée, je suis sûr qu'ils nous ont largement grugé sur le... 1, 2, 3. Tac, 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 tac. Allez, on encaisse tout le monde. Tu dégages. On remplit ça. Tu nettoies ça. On va revenir. Tac. Ok. J'avais déjà choisi apparemment. 1, 2, 3. Tac. Allez, nettoie tout ça, c'est bon, on a les 3 étoiles. On est bon. Allez. Et on a réussi à tout trouver. Sharp.
Tac, tac. Et elle, tu vas pas lui donner? Tac. Tac. Allez, on encaisse tout le monde. Ah bah, il y a l'autre là qui est en retard. Allez. Tout est propre, c'est tout bon. Ah ouais, Jack, dans mon bureau, tout de suite. Comment va Maggie? Waf, 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 waf. Pourquoi ils ont fait le doublage? Elle a encore besoin de repos. Mais elle est en parfaite santé. J'étais tellement inquiet, je pensais qu'elle ne s'en sortirait pas. Vous avez réalisé un miracle. Maggie fait partie de notre famille. Sans elle, nous serions bien malheureux. Au nom du commissariat, je vous remercie du fond du cœur. Ah ah, toi t'es en train de fermer sa gueule l'autre. Mais de rien, nos médecins ont mis nos médecins les plus brillants sur le cas. C'est le moins qu'on puisse faire pour ce héros. Elle s'est montrée d'un courage sans faille, même dans la douleur, même quand la douleur était à son paroxysme. Est-ce qu'on peut la ramener à la maison? Ça ne risque rien? Oui, elle récupère plutôt bien. Mais nous devons la revoir pour un bilan complet dans la semaine. Passez-moi un coup de fil au commissariat. Je vais parler de vous à un ami journaliste. Vous êtes un héros, vous aussi. Jack Hawkins et Amy Caress, c'est bien ça? Oui, et c'est Jack qui a pris l'opération en main. Je suis Sherman et ces gens font partie de mon équipe. N'oubliez pas de citer le nom de notre clinique. Entendu, vous aurez bientôt votre bel article dans le journal. Oh le connard. Bien, je pense que je vais laisser passer votre affront pour cette fois. Mais je vous garde à l'œil, c'est compris? L'enfoiré. Mais cette enflure, quoi. Hop. Tac. Allez, le défi qui demande... Les clients arrivent de mauvaise humeur. Ah, merde. Non, bah c'est pas grave. Je vais quand même rien améliorer. On améliorera si j'arrive pas à voir le truc. Mais... Oh, oui, effectivement, elle a l'air un peu en rogne. 1, 2, 3, là. Ouais, ils ont l'air de se calmer assez rapidement quand on s'occupe d'eux. Et toi, tu peux toujours t'occuper... Tu peux toujours t'occuper des chiens pour essayer de remonter un peu le truc. Ouais, ça les calme. On peut faire comme ça ils repartent très contents. On va faire ça, on va faire ça. Tac, tac. Ouais, pas trop long non plus par la tente. Awesome. Tac. Hop. Vas-y, va t'occuper d'elle. Le souci c'est que plus ils sont mécontents, moins ils me rapportent dessous. Et moins ils me rapportent dessous, moins j'ai des points. Donc oui, il va t'occuper d'elle, voilà, elle fait sa gueule. Écoute. Tac. Largement au-dessus de la moitié, alors que ça va. Enfin bon, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance dans cette clinique, hein. Tac, tac. Toi, tu vas t'occuper là-bas, ça monte un peu. Bon, on est bon, allez. Oh non, on n'a plus qu'à les servir et puis c'est bon.
Tant pis s'ils font la gueule. 1, 2, 3. Tac. Ah non. Non. Je suis sorti de l'écran. Tac. Non mais ça sert plus à rien de l'appeler lui, c'est bon, et on les sert juste, on prend les sous là et puis c'est bon. S'ils sont pas contents, ils sont pas contents et ils nous pètent pas les couilles. Il en peut plus en mode, je vois bien la flèche qui clignote en mode, allez vas-y, clique dessus, non mais j'en ai rien à foutre, c'est bon. J'en ai mais rien à talquer. Un, deux, trois. Nettoyer ça toi, un, deux, trois, allez hop. Ben voilà, c'est réglé tranquille. Allez, le dernier épisode au aux urgences, ne surexposer aucune photo, aucune radio, je l'ai pas fait jusqu'ici, une équipe de choc. Amy, tu as dormi un peu? Enfin, tu as pu dormir un peu? Ok oui, j'en avais besoin, je me sens au top de ma forme, enfin presque. Tu as été fantastique Amy, merci de m'avoir soutenu. T'as fait du bon boulot, toi aussi, on forme une équipe d'enfer. C'est vrai. Toutefois, je suis assez perplexe. Concernant la politique de la clinique poil aux pattes. C'est une entreprise, rien n'est parfait. Mais ça ne te gêne pas? Je vois où tu veux en venir. Si, ça me gêne. Mais j'ai besoin de ce travail. Et les moyens mis à notre disposition sont exceptionnels. Sans parler des super collègues. Enfin, la plupart d'entre eux. Tu peux toujours donner un coup de main au refuge si tu veux. Je suis bénévole les week-ends et c'est vraiment fantastique. Tu devrais m'accompagner un jour. Avec plaisir, t'es sûr que ça t'ennuie pas? pas du tout. Comme tu l'as dit, on forme une équipe de choc. Donc elle a déjà ses journées ici qui sont extrêmement épuisantes et elle veut travailler en plus au refuge. C'est tout à son honneur, hein, mais il y a un moment elle aura plus de vie. Hein. Tac, allez. Non. Oui. Awesome. Tac, tac. Allez, toi tu nettoies ça. On va refaire ça. On donne le scalpel. Sharp. Et on encaisse tout le monde. Hop, awesome. La souris. Hop, allez. Tac, tac, scalpel, nettoyer. Ciseaux. Tac. Et refaire ça. Awesome. La radio, donc ça c'est le moment où il faut faire attention à pas les surexposer, mais bon, a priori, il n'y a pas de raison. Tac. 1, 2, 3. Awesome. Scalpel, allez. Il y a ces petits moments de rush et il y a des moments, bah voilà, le temps qu'ils choisissent en fait, des fois c'est très très long et J'ai vu, ah j'ai bloqué un trophée. D'ailleurs tiens, je sais qu'il y a un truc pour le fait de l'envoyer s'occuper des clients comme ça. Donc, bon. Hop. 2, 3. Awesome.
Je le ventre qui grogne. Ah ouais, c'est l'heure. C'est midi pour moi. C'est très bien, de toute façon, il nous reste cet épisode, et puis après... Enfin, il nous reste ce moment-là, et puis moi, je vais aller manger. Tac, tac. La bouboule, la bouboule, la bouboule. Trop bas. Ah bon, c'est pas ça. C'est pas grave. 1, 2, 3. Allez, on encaisse tout ce monde. Toi, tu vas t'occuper du chien là-bas parce que il faut le faire. Il faut en profiter. Tac, tac. Je vais vous montrer juste après à quoi ressemblent les trophées dans le jeu. Je sais que je vous l'ai montré au tout début, mais peut-être que vous avez zappé depuis le début. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Les trophées sont plus intéressants que le petit truc à la con, là où on débloque des objets avec des diamants. Hein, que franchement, je trouve ça assez inutile. Personnellement, j'aurais pas fait ça comme ça. Hein. Sur les précédents, ils avaient fait des trucs sympas. Et bon, là, on change d'endroit. Donc du coup, c'est vrai que c'est plus compliqué de faire... Ou ils auraient pu améliorer l'appart. Je sais pas. Si vous entendez des gros, c'est mon ventre. Il faut pas s'inquiéter. Tout va bien, tout va bien. 1, 2, 3. Tac, tac, toi va t'occuper du chien, j'ai pas envie de le faire. Non ! Voilà, c'est bon. Je suis obligé d'attendre qu'il soit retourné là-bas pour l'envoyer faire quelque chose, alors c'est chiant. Tac, 1, 2, 3. Ah, j'ai pas cliqué à fond. Non, du coup, c'était pas ça que je voulais. Tac, 1, 2, 3. Et ça marche, c'est pas grave, on dira rien. Ok, à partir du moment où on a une boîte, en fait, ça marche, j'en mets 3. Pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave du tout. Allez, c'est validé. Et donc finalement, je pensais qu'ils allaient être virés et du coup que le refuge, ça sera à ce niveau-là. Et en fin de compte, pas du tout. C'est que finalement, ils vont aller au refuge le week-end. Je t'enverrai l'adresse du refuge un peu plus tard, d'accord? À quelle heure on doit venir? Quand tu veux, j'y serai une bonne partie du week-end. C'est super! Ah, le retour de Jasper. Amy, tu es occupée? Jasper! Je suis vraiment désolé pour l'urgence ce soir, mais... Je voulais savoir si t'étais libre ce week-end. Ah, En fait, j'ai envisagé de faire un peu de bénévolat au refuge. Du bénévolat? Tu ne crois pas que tu travailles déjà assez? Que dirais-tu de passer un peu de temps avec moi plutôt? Tu pourrais m'accompagner? Allez, s'il te plaît. C'est un refuge pour animaux, c'est important pour moi. Et aménager avec moi, c'est important pour toi. Je suis désolé, Jasper, c'est encore trop tôt. J'ai compris. Bon, on se verra peut-être plus tard. Jasper, attends! Il n'en vaut pas le coup. Et ce mec, il précipite tout. C'est comme si au bout de 2 semaines, il commençait à parler bébé, famille et tout le bazar. Il voulait déjà te présenter ses parents et tout le bazar. C'est gros quand même. Eh ben écoutez, on est au refuge. Donc les trophées, voilà, c'était ça. Donc j'ai débloqué un certain. Là, à la limite, ça a un rapport. Ou le collier, je sais pas pourquoi. Mais par exemple, le petit carnet, tout ça, ça a un rapport. Et chacun est en fonction, obtenez 3 étoiles sur tous les niveaux. Donc là, je suis à 103 sur 210. 210? Ah oui, mais oui. C'est le nombre d'étoiles, en fait. Terminer tous les mini-jeux pour obtenir le meilleur score. Demander à Newton de divertir. Trouver toutes les souris du jeu. Terminer le 4e chapitre. Acheter toutes les améliorations du jeu. Alors ça, je l'ai pas encore fait parce que j'achète même pas tout. Obtenir tous les trophées. Terminer pour le dernier chapitre. Terminer le 5e chapitre. Acheter tous les jouets pour Newton. Hein, c'est quoi ça? Ah, c'est des jouets pour Newton, ça. Ok. Ah bah Newton, il joue avec des jouets bizarres. Ah bah non, le cookie, du coup, c'est... Ouais, je sais pas. C'est... Ok, bon, bah d'accord. C'est des jouets pour Newton. Ça, ok. Qui, donc, n'a pas de cage, mais une petite cabane dans les arbres, apparemment. Ah non, il y a une fenêtre. C'est juste... Bah non, il n'y a pas de fenêtre. L'arbre, il est dehors. Il est dedans. Il est... je comprends plus. Ok, bon, bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour la suite, pour découvrir un peu comment ça se passe au refuge. Allez, à toutes.
inside your mind. Target you.